Le pasteur malien David Tekou a accepté de répondre à quelques questions au micro de Portes Ouvertes. Dans cet entretien, ce pasteur revient sur la situation des chrétiens dans le pays. Interview. Brièvement, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation au Mali? C'est difficile d'être chrétien au Mali. Oui, surtout dans le nord du pays, avec la présence des djihadistes qui voudraient coûte que coûte instaurer la charia au Mali. Quant à Bamako, au sud du Mali, il n'y a pas de problème particulier à vivre sa foi chrétienne, sauf si on a une famille hostile à la foi chrétienne. Allah, c'est autre chose. Vous attestez que Jésus-Christ est un véritable refuge pour les chrétiens qui vivent la persécution au Mali? Absolument. Mais ceux qui sont chassés par leur famille, certains sont parfois empoisonnés, mais le poison n'a aucun effet sur eux. Donc c'est le nom de Jésus-Christ qui les protège. D'autres sont ensorcelés, mais l'ensorcellement n'a aucune emprise sur eux. Donc Jésus-Christ est notre refuge, notre seul refuge. Et dites-nous alors, est-ce que vous avez un message adressé aux chrétiens ici? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Qu'ils ne se lassent pas de prier pour nous. Prier pour l'Église de Jésus-Christ au Mali. Prier pour que l'Église aille chaque jour de l'avant, de progrès en progrès avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui souffrent aujourd'hui, alors qu'ils persévèrent dans leur marche avec lui. Et cela ne peut venir que lorsque nous sommes vraiment bien soutenus par la prière de nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Ce verset biblique prend toute sa dimension dans la vie d'Irène. En tant que chrétienne, au jour le jour, cette mère de famille expérimente l'amour de Jésus-Christ, mais aussi celui de tous ses frères et sœurs dans la foi. Lorsque la nouvelle de l'assassinat de son mari a été relayée au niveau international, la communauté chrétienne s'est largement mobilisée. 10 000 personnes interpellées par son histoire lui ont écrit personnellement. Une façon d'épauler cette mère de famille dans le drame qui venait de la toucher. Le 21 septembre 2010, Francis, son mari, a été assassiné en raison de sa foi. On lui reprochait de parler ouvertement de sa foi en Jésus-Christ alors qu'il était auparavant musulman. Aujourd'hui, Irène va beaucoup mieux. Elle a repris des forces. Elle est en bonne santé. Ses enfants aussi vont mieux. Ils sourient facilement. Irène était enceinte lors de l'assassinat de son mari. Cet enfant s'appelle aujourd'hui Francis, comme son père. Grâce aux dons de l'Église dans le monde entier, Irène a démarré une petite entreprise. Elle a acheté un jeune veau qu'elle compte élever afin d'acquérir un troupeau. Elle a aussi commencé à vendre des légumes au marché. Lorsqu'il est apparu que la famille aurait besoin de soutien juridique, Portes Ouvertes a engagé un avocat. Mzi Mazolo, le père de Francis, a fait part de sa profonde reconnaissance pour l'aide qui a été apportée à Irène. Dans un courriel, on lit « Votre aide et les lettres, cartes, mots d'encouragement que vous nous avez fait parvenir au pire moment nous ont permis de tenir ferme. Que Dieu se souvienne de chacun de ceux qui ont pris le temps de prier, de nous écrire ou de venir nous voir. Je vous suis tellement reconnaissant. » Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Bonjour alors, Paul. Bonjour. Plantons le décor au Nigeria, des étudiants. Exactement. Lorsqu'on est étudiant et qu'on change de ville, la plupart du temps, on commence à se poser la question de son logement. Alors, on recherche un logement peut-être au sein de sa famille ou encore chez ses amis. On pense à la solution de la colocation ou bien à la question du foyer universitaire. Et donc, je voulais vous parler d'un étudiant, d'Elkana. Elkana, donc, il a étudié dans la ville de Moubi, dans le nord-est du Nigeria, et il a probablement eu cette démarche. Et certainement, lorsqu'il s'est posé cette question, eh bien, il ne pensait pas que le choix de son logement allait avoir une incidence ou non sur sa vie, en fait, si c'était une question de vie ou de mort. En fait, Elkana a choisi donc d'aller dans un foyer universitaire. Et un peu avant minuit, le 1er octobre 2012, des extrémistes islamistes sont entrés dans le foyer universitaire. Ils ont demandé aux étudiants de sortir de leur chambre. Ils leur ont posé une seule question : quel est votre prénom ?
Suite à cela, si la personne avait un prénom chrétien, elle était assassinée. Donc, les étudiants qui avaient un prénom chrétien ont été assassinés. Et en fait, Elkanah est un miraculé parce que donc ces agresseurs sont entrés dans la chambre et ils l'ont trouvé en compagnie de ses trois autres camarades. Ils ont donc posé la question aux camarades qui ont donné leur prénom. Ils ont été assassinés sous les yeux d'Elkanah. Et lorsque le tour d'Elkanah est arrivé, on lui a posé aussi cette question : quel est ton prénom ? Il a répondu, on lui a tiré dessus. Il est tombé face contre terre et face contre terre, il a hurlé à Jésus-Christ. Alors on lui a demandé d'arrêter, mais il continuait constamment à appeler vraiment Jésus-Christ au secours. Et en fait, ils ont certainement dû comprendre qu'il était mort parce qu'ils l'ont laissé à terre. Et il a survécu donc à cette violence. Voilà. Et donc c'est lui qui nous a expliqué le déroulé de cette histoire dramatique. Il y a à peu près un an, je vous avais déjà parlé de la situation au Nigeria et on était tous ensemble affligés de constater que près de des centaines de personnes avaient perdu leur vie simplement parce qu'elles étaient chrétiennes. Aujourd'hui, la persécution est allée les rejoindre jusque dans leur chambre. Alors on pourrait s'interroger par exemple sur nos prénoms. Quels sont nos prénoms, n'est-ce pas ? Et là, autour de la table, je pense qu'on serait fusillé aussi dans un cas comme ça. Hein. Moi, c'est Abdel, personnellement. Non, Paul, vous n'échapperiez pas des extrémistes, je vous assure. Bon. En tout cas, voilà, la situation est vraiment douloureuse. Ah, une autre forme de persécution, c'est au Soudan. Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors, au Soudan, je vais vous laisser nous expliquer la situation. Bien sûr. Alors, tout d'abord, si on pouvait simplement essayer de situer un peu le Soudan, voilà, donc on le voit à l'écran. Le Soudan, il est divisé en deux États. C'est-à-dire que désormais, il y a le Soudan qui était anciennement le nord du Soudan et puis il y a le Soudan du Sud. Et j'ai rencontré Naomi. Donc Naomi, elle est sud-soudanaise, c'est une jeune femme qui a 27 ans et qui a vécu la guerre du Soudan et également la persécution en raison de sa foi. Je vous propose de l'écouter. Quand j'étais petite, un jour, dans la route, et j'étais arrêtée avec quelqu'un qui m'a amenée à commissariat parce que j'ai mis un pantalon. Mmh. Et puis plusieurs fois, c'était parce que je n'ai pas mis les voiles à ma tête. C'était donc au Sud-Soudan et vous aviez 8 ans. Oui. Donc les chrétiens du Soudan du Sud, pour la majeure partie du pays, ne vivent pas forcément la persécution maintenant, puisque la guerre est terminée. Ils vivent relativement paisiblement. Mais par contre, au Soudan, la situation est totalement différente. Les chrétiens sont enfermés sous une stricte loi islamique, hein, donc la charia. Les bibles sont brûlées, des églises sont visées. Et il y a également des jeunes filles qui, comme Naomi, donc, vivent des cas de persécution. Et certains peuvent même être tués. Donc, les chrétiens du Sud-Soudan et ceux du Soudan ont besoin d'aide. Ceux du Sud-Soudan, ils ont plutôt besoin d'aide pour... c'est plutôt de la reconstruction, parce qu'après la guerre, l'Église est fragile au Sud-Soudan. Donc, il est important d'être présent pour les soutenir. Et au Soudan, ces chrétiens ont tout simplement besoin d'exister, même. Et Naomi, dans l'interview, a confié qu'elle avait un rêve pour les chrétiens du Soudan. Ce rêve, c'est que ces chrétiens-là puissent pardonner à leur agresseur. Nous espérons également qu'ils puissent un jour bénéficier de la liberté de culte, comme les chrétiens du Sud-Soudan en bénéficient aujourd'hui. Pardonner à ces agresseurs, voilà qui est très très fort. Je voulais vous parler d'une jeune femme qui s'appelle Damaris Kyoko. Eh bien, Damaris Kyoko est chrétienne, elle a travaillé dans les médias et elle s'est mariée à un chrétien. Et tous les deux, ils étaient extrêmement fervents. Ils se sont donc mariés et 7 jours après leur mariage, eh bien, Damaris a appris une nouvelle, son mari s'est fait assassiner. Voilà, donc cela s'est passé le 7 mai 2012. Donc ce jeune couple n'a été marié que 7 jours. Et très naturellement,
Damaris a lancé un appel à la prière. Donc voilà ce qu'elle dit. « J'ai besoin que vos prières s'ajoutent aux miennes et quand je ne suis plus assez forte pour prier pour moi, s'il vous plaît, faites-le à ma place. » Et c'est vrai, c'est très naturel que les chrétiens, généralement, demandent la prière. Et lorsqu'ils demandent la prière, ce n'est pas juste une technique pour essayer d'être plus calme, vous savez, comme par exemple le fait de, je ne sais pas, vouloir contrôler sa respiration pour essayer d'être plus zen. Non, en fait, lorsque les chrétiens demandent la prière, ils le font parce qu'ils ont la conviction de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, si Jésus est ressuscité, c'est qu'il est passé de la mort à la vie et qu'il est vivant, actif, pour entendre et répondre à ses prières. Donc Damaris Kyoko n'est pas la seule à demander la prière. Il y a d'autres chrétiens. Je vous propose de relire quelques citations. On peut par exemple voir celle du pasteur iranien qui précise « Au-delà de l'aide matérielle, ce dont nous avons besoin, c'est surtout de vos prières. » Ou encore Jamila, une jeune chrétienne du Nigeria, qui nous dit « Vos prières sont si efficaces que je peux recevoir des réponses à vos prières dans ma vie. » Et puis Hélène Béran, qui a été gravement persécutée en Érythrée, qui nous dit « Je suis convaincue que c'est grâce à vos prières que j'ai pu survivre à toutes ces épreuves. »